Le triple en direct. Et le triple, deuxième essai de Melvin Raffin. La planche est bonne. Yeah. Oh là, énorme, énorme. Énorme ce saut. On va attendre la mesure. Il est en feu. Il l'avait dit Teddy. Et pourtant il retombe sur son... sa foulée bondissante, il retombe sur la planche de longueur, donc il a moins de rebond, vous allez voir. Le ralenti, on regarde ça. La planche est excellente, retour de cloche, hop, la foulée bondissante, elle est sur la planche de longueur, ce qui normalement amène un moins bon rebond. Eh ben la écoute, mesure... Il est en feu. On va attendre la mesure, il avait fait combien? 17-11 17-14. 17-14. Il a fait 17-14, meilleure performance européenne de la saison. Bah c'est, à mon avis, c'est plus loin. Hein. 17-19. Eh ben voilà, c'est pas le 14-18, c'est le 14-19. Très beau concours, s'il continue sur sa lancée. Bah oui, s'il continue sur sa lancée, il va falloir qu'on recule la planche là. Satisfait parce que bon, ça reste quand même des minima olympiques. Ça fait un moment que je les attends quand même. Faut savoir que j'ai raté quand même ma Coupe d'Europe. J'ai fait un mauvais concours. Donc j'ai voulu jouer le coup pour venir à Montreuil, et en plus il y avait des bonnes conditions. Donc ouais voilà, que du positif, je suis très content. Ce soir, on a vu que vous aviez des jambes, on a eu l'impression même que vous pouviez aller encore plus loin. Est-ce que vous ressentez aussi la même chose? Ouais, je ressens la même chose. Je sens qu'il y a encore des détails, que si je les fais, j'arriverai à aller plus loin. Maintenant bon, je vais pas brûler les étapes. Je sais que j'ai encore du jeu à encore récupérer de mon stage à Tenerife. Donc voilà, ouais, je reste quand même positif, je suis très content. Et donc le prochain concours maintenant, où est-ce qu'on vous retrouvera ? Ça sera sûrement Madrid. D'accord. Madrid, ouais. Merci voilà. Melvin. Merci à vous.